Voilà, voilà la famille, on parle plus tôt. On vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News, avec Jazz Gavoulou. Hein, on parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsions et les serviettes. Hein. Nous, on est serviettes, on dépend pas des torsions. Gossip DRC News, avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas, pra. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News, eh. Les bossés, ah. Merci, le on a gossip DRC News. L'émission est tout ça, lelo passé. Nous déjà dans la dernière ligne droite pour le tel bongo campagne électorale de Komi Penza na suka na ngo si ce plateau. Nous recevons pour vous Sungwinyan. Bonjour. Salut, ça va? Ça va très bien. Et na bate belé oyo ba landa biso lelo yo. Et Sungwinyanse, entre parenthèses, choisi ma tata. Comment Sungwinyanse est meilleur? Et puis, wapi kombo na yo, Sungwinyanse est meilleur moment pour une homme. T'es une bonne mon nom de famille, et mes deux prénoms, Ignace et Ram. Et d'où est sorti choisi ma tata? Je suis un élu, ma mère. C'est des petits noms qu'on donne à quelqu'un. Un élu, il est choisi. Ma tata, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui est à l'esprit, quoi. Un guerrier. Voilà, Betrobungana, tantôt, il y a parce que déjà, au PC candidatif, il y a un provincial, na Kasavubu, contrairement à donc, quand il y a un PC na Funa, tout le monde peut une mobilisation, Penza, na Funa, na Motali campagne, il y a un Penza. Bien, mais est-ce que tu es un natif à Kasavubu ou comment? Oui, oui. Et Kasavubu n'a pas venu dans tout. Moi, je suis né à Kasavubu, dans la commune de Kasavubu, qui paie ma numéro 17. Hein. La crise droite. Oui, je suis né là. Voilà. Et pourquoi ni le Tindio pour Opel Sabongo candidater? Les solutions, comment dire, les questions sont nombreuses. La solution, c'est l'engagement pour. Mes mères, mes pères, mes frères et sœurs, les habitants de la commune, quoi. Il y a beaucoup de questions, mais la solution, c'est qu'il faut travailler. Travailler. Il faut donner la réponse satisfaisante aux habitants de la commune. On est environ, je pense, dans les 73 000, sinon 74 000, hein, on peut mettre par là. Bien que ça fait des années, il n'y a pas eu de recensement dans toute la superficie de la République. Mais Kasavubu, avec les 7 quartiers que nous avons, plus ou moins on est dans les 74 000 habitants. Et donc, Kasavubu n'a plus le miroir qu'elle reflétait jadis. Elle a perdu ce miroir. Et dans le miroir, on retrouve le tout et pour tout. Tu vois, quand tu t'habilles, Jazz, et que tu vas devant le miroir, c'est pour avoir le reflet. Et quand tu t'habilles bien et que tu veux faire une sortie quelconque, tu veux paraître bien propre dans l'aspect général. Le miroir doit te servir de reflet pour voir s'il faille corriger ton habit, ton maquillage, etc. etc. Mais Kasavubu ne peut même pas regarder un miroir. C'est mort. Donc il faut mettre la main dans le sac. Pour dégager un peu de finances, appeler des hommes vaillants, des femmes vaillantes, pour que nous puissions booster notre commune. Ce n'est pas une magie qui vient de l'absolu invisible, qui va donner un aspect très appréciable. Mais ce sont les hommes de cette société qui devions la travailler, la mettre en activité et redonner un nouveau blouson. Apporter un bon réquiquage, apporter de l'éveil dans la conscience des jeunes, dimensionner l'excellence du travail par la force, parce que la gloire et l'honneur ne revient qu'au travail. Le travail, c'est notre père, le travail, c'est notre mère, le travail est par excellence la propulsion du développement d'une république, d'un district, d'une commune et des hommes. J'ai dit Jazz. Et pas. Par là, est-ce que quoi, c'est que l'élection est allée?
Je ne saurais vous rassurer parce que je ne suis pas membre de la CENI ni décideur par excellence au-dessus de toute loi ni autorité. Mais c'est candidature nayo. Oui, je viens. Parce qu'ils ont un droit d'OP. Je viens. Voilà. Nous sommes dans un état de droit. Mais au-dessus de toi et de moi, il y a ceux qui nous dirigent, n'est-ce pas ? Qui tiennent cette loi entre les mains et qui tiennent les décisions. On est aujourd'hui quelle date ? On est le 19. Le 19. Si les élections, c'est le 23, c'est qu'on est à 4 jours. Mais à 4 jours, ni même 5 jours, on ne peut pas annuler l'élection d'une république où eux-mêmes, qui sont à la tête, se sont investis. Ni même 10 jours, on ne peut pas annuler l'élection. À moins qu'il y ait un problème qui peut surgir du soulèvement populaire, etc. Là, en ce moment, certaines choses peuvent être annulées. Mais jusqu'à ce jour, l'élection présidentielle, législative nationale, provinciale, etc., etc., tout roule comme dans les roulettes. Voilà, et mon qui me demande pas l'andayo, et même quand nous sommes en gala bien sûr, bah les bandes mboka et bah qui peut que gérer ma famille mon gros au bazar sur place bah voter. Mais question moi curiosité parce que mingi monsieur Zara qui est non candidat à la présidentielle na bombi, ça c'est pas un problème mon gros, je garde ça pour moi parti machin, voilà. Mais oh, et na mon père propre opinion na, et voilà, moi je veux voter pour un tel. Est-ce que tu bulletin blanc? Personne, il n'y a personne au vote. Bulletin blanc. Ni... Blanc. Tous ces trois bulletin leaders. Bulletin blanc. C'est normal. Quand il y a une élection, abstention, à voter, bulletin blanc. Donc tu comprends qu'au voter caca, la provinciale et puis la nationale, mais. Moi je suis là, provincial, commune, Nangaï, État. Le reste, je suis pas là-bas. Bulletin blanc. Pourquoi ? Non, c'est raison. C'est mon choix. L'inexplicable ne se justifie pas. C'est mon choix. Je m'occupe de ma commune. Un point, un trait. De toute façon, moi-même, si je ne vote pas, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans l'océan. Donc je ne suis rien dans Nazaï Lokote, dans Navoté, une goutte d'eau dans l'océan. Donc l'océan ne peut pas déborder. C'est le seau qui déborde, une quantité limitée. L'océan moyen débordé, et donc c'est que Zouang a la goutte d'eau dans l'océan. Et en même temps, point fort dans l'autre, autant que ça, ils ont ni aux convaincre. Et Banaka ça vous pouvez voter. Le premier point fort, c'est le sanitaire. Et alors, il y a des gens qui sont sanitaires comme ma casse. Sanitaire, papa. Et alors, tu as dit que tu as projet dans les belles. Parce que, tu sais, pendant que toi et moi nous sommes en train de parler, il y a ceux qui nous regardent. Et tu sais l'attitude du Congolais. C'est toujours de porter un jugement sur l'autre. Ah, choisis des orgueilleux, choisis des fiers et les qui. Ils vont nous insulter. Ils nous diront des choses. Mais en réalité, je ne suis pas venu exceller de ma personne devant qui que ce soit. Je suis tout simplement venu apporter un soutien à la population de la commune de Kasavubu qui, dans un certain détail, en ont marre. Ils en ont marre des personnes qui tiennent le régime de la commune, qui ne font exactement rien du tout, Jazz. Ndegonanga Mobali. Sont sérieux. Dieu n'a pas à la base. Moi, salité, et puis des fois, et criminalité, puis appelez-moi ma casse, moi, bah voyou et belé. Voilà, Jazz. Le monde a dit que non, choisis Moutnabiso, tout ça. Enlève ça. Toi-même, regarde un peu. Allons-y dans l'absolu de la vérité. Ça ne va pas, Jazz. Ce qui m'oule, Betika, pendant une heure de temps, avec une forte pression de pluie. Jazz. Totalement, Nakatsavou. 4-4 ans d'autres.
Il n'y a pas d'évacuation, elles sont bouchées. Mais on a autant de commerçants dans la commune de Kassavou qui payent quoi? Les impôts. Le récoltage est fait par quoi? La DJK au niveau de la mairie, non? Mairie, Kouna, non? Ouais. Voilà. Mais la mairie a un budget. Un budget bien voté par le gouvernement central. C'est-à-dire à partir de Kimbuta, président du parlement provincial Tikokita. On peut prendre ce budget-là, voter pour le sanitaire, voter pour le courant, machin, tout ça. Ils mettent en place les mécanismes et ensuite la machine s'en va. Et elle est lancée, quand elle est lancée, elle s'en va. Et c'est le peuple qui s'en réjouit. Tu peux faire 40, 50, 100 ans au pouvoir. Rosa la Bourgmès à Kassavou Bouana, 100 ans au Kolongwate, Tim Gonza Maobengao, si les actions sont positives. Tu comprends un peu? Oruti Palano, Oruti est la députée à vie provinciale. Si le peuple se retrouve dans le cahier de charges qui t'ont remis et ton projet de société pour exalter la commune, en ce moment tu flammes de feu. Aucun être humain de ta commune, aucune personne ne pourra s'opposer à toi et te vaincre. Parce que la population, le peuple est derrière toi, Jazz. Et moi je pense que je suis candidat, pas parce que moi je le veux, mais c'est parce que j'ai des gens qui m'ont dit, les Knabiso. Et j'espère que je vais gagner. J'espère, hein? Parce que déjà, quand on. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le sondage. Hein? Mm-hmm. C'est de l'étude. Hein? Mm-hmm. En matière de sondage, choisis le premier. Au moins, le sondage. Le premier. Et déjà, aux habitants, il y a qu'on s'est renseigné comment ça se passe dans l'ensemble provincial. Ça me moi de moi pour moi donner les gars quoi Jazz la tanga mingité na doctoraté na master DT mais je suis instruit dans la base facultative ya koyé ba ko apprendre parce que chaque jour est une école pour nous devoir de sagesse d'apprendre d'intelligence de faculté chaque jour Jazz. La nature mère nous enseigne dans des colonnes que nous ne connaissons pas et nous pénétrons ces sens-là pour apprendre. Narosa la paye nanga tout vandiboy. Obi nanga te ah nanga choisi ma tata. Et le roba lo ba ngote. Msunga na déformé langage wana ou bien na placé article mabé. Vous comprenez? Narosa ba même juste oh Jazz. Pesa ngai la bic. Et puis, on a choisi le bar à la bique qui était. Aussi, l'article féminin, le bar à l'obique. Vous comprenez? Comment le stylo? Hein? Le stylo? Au masculin toujours. Mais là, on a féminin, la bique. Et puis, on a le bar à la bique qui était. Le bique. Le stylo. J'aurais appris quelque chose. Donc, chaque jour, nous sommes des éternels apprentis qui, sur un chemin, nous allons apprendre certaines choses. On avance vers l'état de perfection que, bien sûr, nous n'allons pas atteindre, mais tout au moins, nous allons nous instruire à ce que nous ayons une très bonne base. Et la colonne de la sagesse voudrait qu'un homme qui ne connaît pas doit apprendre. Et les leurs, ceux qui obimi candidat à Kassavoubou, une fois qu'on a ensemble au Kouti Makambouza, Pinzandenge Uyo no Kanisate, au Kouti Moussala, Pinza Oyo Folo Sala Kuna. Et donc, Babazo respectant mouvement, la n'engue singulité, aux avements, la courage, on a qu'on dénonce en haut, Boipo, Banakasvou, Baïba. Parce que nous sommes comme ça, si on comme ça, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, est-ce qu'on peut dénoncer? Jazz, quand tu me vois là, moi je manque ça. $5,000 par mois. Moi je manque ça. Par mois. Ma peignière, on a payé ça, 500, 1000 dollars. Moi, je me manquais 1000 dollars, moi. Si on a bien casque, le chauffeur, le grand camion, on va se rassembler. Tu sais combien je peux gagner en une semaine? C'est pas ça. C'est pas ça. Yes. Je viens de te dire que chacun de nous a sa fondation mentale, comportement et zalinaï. On a tous reçu de nos familles une éducation. Mais cette éducation, elle varie selon la famille. Moi, j'ai reçu une très bonne éducation de mon père et de ma mère. Chose que nous avons reçue toute la famille. Autant, n'engue tout le monde, papa, maman, la bisou, tous. Mais on va à l'école, c'est pour s'instruire.
On ne dit pas qu'il y a une classe normale qui est pour s'instruire. On acquiert une connaissance, tout ça, etc. On a un agent comme Mangakuna, mention au plénière, 500, on a tout ça à mettre dans la poche et puis aller dire. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que ma commune, ma population se dise enfin, nous avons porté dans cette chambre quelqu'un qui a de la valeur et qui a su nous écouter, pas par les oreilles, mais par le cœur. Et à partir de là, nous allons, à chacun de nous, de la population, tenir des outils pour que nous puissions requinquer notre commune, les 7 quartiers. Nous allons travailler ardemment, tambour battant, ineffablement, pour que Kassavubu reprenne un blouson de perfection, un miroir. Que s'il faille même que le président Joseph Kassavubu soit ressuscité, quand il va revenir, regardez sa commune, dira « Waouh, Yango Penza !» Mais là, si Kassavubu se réveille, il ne reconnaît pas Kassavubu, sa commune, et là, t'as comme Monaï. Zéro. Et il n'a pas dit d'autre aussi, ça, monsieur, monsieur Lélo, la question Oyo. Ce que Lélo, au Koutena, le président Kabila, on sait 18 ans. On va venir dans la pièce, on va venir dans la pièce, on va venir dans la pièce, on va venir. Je ne pense même pas que ça peut arriver. C'est une supposition, malheureusement, je ne pense pas que ça peut arriver. Donc, on peut quand même profiter de cette occasion pour lui dire un truc. Qu'est-ce que moi je peux lui dire? Je ne suis même pas mieux placé que les conseillers qui là, ce sont des intellectuels, des technocrates. Tu sais par excellence que c'est le garant de la République, hein, c'est le chef de l'État. Honneur et respect à sa personne. Ce jour viendra, peut-être, ou si j'ai l'occasion peut-être de le rencontrer. Ce jour viendra où tu peux, tu sais, parler à un chef d'État, ce n'est pas parler à son ami, ce n'est pas parler à son camarade. Parler au chef de l'État, c'est parler à l'autorité. Donc il y a une mesure, il y a un langage, une façon, une manière, parce que toute autorité vient. Président, chef de l'État, il y a une manière. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Sungu Ignace, numéro 10. Dans la commune de Kassavubu, ma mère vient au PC Bamanani, dans Kassavubu Nyonso. Je souhaite mes meilleurs voeux à ma commune d'abord, à mes habitants. On va passer les fêtes ensemble, on va organiser un peu des agapes un peu partout, tout ça, dans la commune. Je profite de l'occasion pour saluer toute mon équipe très forte, Jean-Luc Mawana, Daouda Dada, Patti Mamba, Nanette, Zougardi, mes suppliantes Julie et Noëlla, bien éventuellement mon parti Yako. Je souhaite aussi mes meilleurs voeux à Betty Kiala, Papito Kindoudi, Viedev Nalwanda, Mimi Chikeva, Chuchu Luambo, Jerry Kiaro, Emedo, Patoumale, Fofeli Toke, Nanou Mosese, et encore une fois de plus à la grande dame Carole la Gabonaise, Mote Mananga, Maba Nangai, Ako Mangala, Jackson Mangala, Huguette Soumoupasi, Hervé Kaminya. Toutes les personnes qui me sont chères, hein, je vous salue au nom de la Shekina et de Christ notre roi. Je vous dis tous les enfants de la commune de Kassavubu, Bozan Apoto. Portez influence sur vos parents ici, de me porter la confiance. Je ne saurais vous décevoir et je ne vous décevrai pas. Je suis un homme avec des qualités et des défauts, chose que nous constatons toujours. Hein, à chaque fois, les commentaires ne manquent pas. Il y a ceux-là qui viennent nous insulter. Nous acceptons vos injures. C'est pas grave, la nature étant ainsi. Même le Christ, notre roi, a été insulté, de magicien, etc. On l'a tapé, on l'a cloué sous la croix, mais en réalité, c'est toi le Fils de Dieu. Donc moi aussi je peux sembler être un libérateur de ma commune. On accepte vos injures, insultez-nous, on accepte toutes vos dénigrations. Elles sont les bienvenues, hein, nous les acceptons parce que c'est une façon aussi de nous apprendre quelque chose. Je continue de tailler ma pierre parce que je ne suis pas parfait. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vers une dimension de l'excellence à gouverner mon mental et à suivre tout ce que la commune de Kassavubu pourrait me demander de faire. Je vous remercie infiniment sur ce j'ai dit. Merci encore une fois. Et le 23, on a pensé vraiment
à voter pour le numéro 10, Sungunya. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci, merci beaucoup, Jazz. Je te remercie infiniment, Jazz. C'était un plaisir. Ah, toi, la QG. Donc, tu as la Sayo, la Kassavou, chez Bissot, tu vas du matin soir, on reçoit des milliers de personnes, des doléances et de l'un, Yomori Bissot, c'était Nabisso, comment ça se passe. Hein? Donc, les gens sont là. Vraiment, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé à moi et à mon équipe. On continue de travailler. Demain, on a une grande caravane. On va booster les 7 quartiers, on va marcher. Et je pense que le 23, circule. Tu verras. S'il n'y a pas de tricherie, au conditionnel, hein? Je prends la commune. Il n'y a qu'un seul siège, hein, il n'y a pas deux. Hein. Mm-hmm. Un seul. Au premier tour, Nabetian. Hein? Merci. Merci à vous et au revoir. Voilà, voilà la famille, on parle plus tôt. On vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous, on est serviettes. On dépend pas des torsions. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Pra! Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés, ah!